Aujourd'hui, j'ouvre le vlog du lundi 4 janvier 2021. C'est parti, il est actuellement 8h20. Là, on va partir déposer mon fils à l'école. J'ai pas encore petit déjeuner. Mais voilà. Voilà, genre. Et après, je pense que je vais rentrer. Je vais ranger un peu. Je vais faire le ménage. Je vais m'occuper de ces cheveux-là qui sont mouillés. Et voilà. Voilà, voilà. Et après, on va faire à manger. À tout à l'heure. Demain, j'ai un rendez-vous avec Pôle emploi. Je sais pas comment ça va se passer. Parce que. J'ai donné le papier comme quoi j'étais enceinte à la sécu, mais est-ce que ils l'ont donné à Pôle emploi, je sais pas. Donc il faut que je lui annonce que je suis enceinte et qu'en septembre j'aimerais reprendre mes études, parce que l'objectif c'est de reprendre mes études en septembre en alternance toujours, parce que l'initial c'est pas possible hein, et du coup voilà. Donc voici mon repas du midi. Donc c'est une pizza, la pâte je l'ai achetée toute faite hein. Il y a un peu de thon, un peu de poulet, des tomates, des poivrons, un peu de fromage et de la sauce tomate. Sel, poivre et herbes de Provence. Donc bon appétit. Bon, la famille, on se retrouve. Il est actuellement presque 17h. J'ai tapé un coma violent avec mon fils. Mais regardez ce que j'ai. Il m'a ramené des semaines des mèches. Hey la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est mardi 5 juin. J'ai juste rentré l'école, j'ai déposé mon fils. Là, je vais petit déjeuner, donc je vais prendre un yaourt avec des fraises. J'ai pris des fraises. C'est mon envie, hein. D'accord. Et après, je vais tourner la vidéo de demain. Donc, comme on est mardi, demain, il y a une vidéo sur ma chaîne. Je vais préparer mon rendez-vous de Pôle emploi, parce que j'ai un rendez-vous à 14h15. Et il faut que je lui demande plein de choses par rapport au statut d'auto-entrepreneur. Et il faut que je fasse un autre truc, mais je sais plus quoi. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui. C'est déjà bien, non? Donc une vidéo ce matin, un rendez-vous cet après-midi. Et voilà, manger c'est fait, c'est, il reste de la pizza d'hier, donc on va manger ça midi. Donc on se retrouve, là je vais filmer une vidéo pour demain sur YouTube, c'est la vidéo sur mon accouchement en obésité à 136 kilos, donc je vais expliquer tout ça en me maquillant, donc là j'ai mis tous mes produits, et voilà, donc on se retrouve tout à l'heure, bisous. Bon la famille, on se retrouve, il est midi, j'ai récupéré mon fils, je suis allée vite fait à Auchan acheter une galette des rois, et du coup j'avais trouvé ça. 1,99€, donc c'est un petit Simba et un livre. J'ai pris ça là, je suis en train de chauffer le repas, donc il reste de la pizza d'hier, donc on va manger de la pizza. Cette semaine, j'ai vraiment envie d'utiliser ce que j'ai dans mes placards, parce que j'achète, ça stocke et rien ne s'enlève, donc du coup on va faire ça. Et à 14h, j'ai mon rendez-vous téléphonique. Donc voilà, je vais me reposer avant. A tout à l'heure. On se retrouve, il est 15h43, je vous parlerai après de mon rendez-vous chez Pôle emploi. Là, entre temps, je suis en train de faire le montage de la vidéo de demain, qui sera déjà sortie pour vous. Donc elle sortira le mercredi. Et franchement, genre, cette vidéo, je l'ai filmée deux fois ce matin. La première fois, elle m'a pas plu du tout. Et la deuxième fois, je kiffe. Donc là, il me reste... donc j'ai 16 minutes en tout, donc je vais vous montrer un peu. J'ai 16 minutes de vidéo. Et là, je suis à 8 minutes. Donc, j'ai déjà 8 minutes de montage qui est fait. Et du coup, là, il me reste 8 minutes. Et après, il faudra que j'importe la musique et faire la miniature. Donc là, vous avez un peu un aperçu de la vidéo du jour de mon accouchement. Et voilà, quoi. Genre, ça me rappelle trop de souvenirs. Mais en vrai, le jour J, j'ai souffert, mais ça me rappelle trop de souvenirs. Bon, on se retrouve. Il est actuellement 17h. J'ai fait mon rendez-vous donc avec Pôle emploi. Ça s'est très très bien passé. Bon, il y a un peu de... Voilà. Ça s'est très bien passé. Il faut que je crée un statut auto-entrepreneur. Je vous en parlerai plus demain matin au calme. Mais là, l'objectif, c'est d'aller à Auchan et Darty acheter une imprimante et acheter quelques courses, parce que ma confiture a tourné. J'ai pas compris pourquoi. Donc du coup là c'est objectif, je vais acheter de la confiture et tout, mais je crois que vous, je sais pas si vous voyez, il y a des embouteillages. Donc on va voir ça. On va aller au champ. Let's go.
Mon petit update, il n'y a plus rien comme imprimante à Auchan. Rien du tout. Les seules imprimantes qui restent, c'est celle à 200 euros et tout. Donc heureusement, à côté, il y a Darty. Donc je vais aller voir à Darty. Et j'espère en trouver une, quoi. Parce que voilà, j'en ai besoin. Genre, j'en ai vraiment besoin là. Hey famille, on se retrouve. On est mercredi. Il est actuellement midi. Je vous ai pas pris ce matin parce que clairement, on s'est réveillé à 10h. Donc j'ai importé la vidéo sur YouTube pour ce soir. Je suis en train de ranger un peu, de balayer partout. J'y vais récurer la cuisine aussi avant de manger. Comme ça, on est tranquille. Et cet après-midi, il faut que vraiment je m'occupe du statut d'entrepreneur. Instagram, YouTube, TikTok, il y a des rémunérations. Et bien évidemment, les rémunérations, on ne peut pas les prendre comme ça. Il faut une société. Sinon, ce serait du plus. Et à un moment donné, tu te fais choper, quoi. Et j'ai eu le partenariat donc avec la marque Hello Body. Il va y avoir une rémunération. Sauf que moi, j'avais pas prévu. Enfin, je me suis dit, bon, j'ai le temps de faire mon statut auto-entrepreneur en ligne. Mais en fait, non, que nenni. Il faut que je fasse et ça met un mois à avoir son numéro de Sirette. Donc, ça veut dire que là, cet après-midi, il faut que je m'occupe de faire mon statut auto-entrepreneur vraiment. De faire des papiers pour une aide de création d'entreprise. Donc ça, c'est une aide pour être exonérée donc, de tout ce qui est URSSAF et autres. Et il faut que je fasse une facturation pour la marque en mettant numéro de Sirette en cours d'attribution. Oui, il est là. Bonjour, monsieur. Je suis en train de faire mon assiette de midi et du coup, j'ai pesé mon sandwich pour voir combien il faisait. Il fait 190 grammes, donc on va voir si je vais le manger en entier. Dedans, j'ai mis une vache qui rit, de la mâche, de la tomate et du cachir piquant. Donc voilà. Voilà mon repas de midi. Avec un petit yaourt bifidus vanille. Et voilà. Bon appétit. La famille, je suis partie vite fait parce que je dois acheter des pochettes. Mais du coup, la vidéo, elle arrivera vers 19h, 20h. Pas 18h. Donc, est-ce que vous serez là? Hey, on se retrouve. On est jeudi 7 janvier. Il est actuellement 8h50, je viens de déposer monsieur à l'école et là je me fais mon petit déjeuner. Donc c'est yaourt à la passion avec quelques fraises, pour terminer les fraises qui sont dans mon frigo. Je vais manger et après je vais ranger mon salon parce que c'est le bordel, genre vraiment le bordel, d'accord. Et je vais vous montrer après ce que j'ai acheté chez Action hier soir. Bon, je vais vous montrer mon repas de midi. Je me suis servi une part de gratin de brocoli, je vous ai dit que je l'ai sorti. Et je l'ai mis au four pendant longtemps pour qu'il décongèle et pour qu'il recuise un peu. Et là, je me suis mis des bouts de cachir bœuf piquant. Donc voilà, j'ai trop faim. Bon appétit. Pourquoi t'es trop mignon? Avec ta petite tête là. T'es beau gosse ou t'es pas beau gosse? T'es beau gosse? Bon, on se retrouve, il est actuellement 15h22 et je commence à aimer écrire un peu dans mon notebook toutes mes idées de vidéos catégorisées par la chirurgie bariatrique, tomber enceinte ou tuto make-up et autres. Et du coup, je mets tout sur papier, comme ça, ben, chaque mercredi, en fait, j'aurai... Chaque jour où je vais tourner la vidéo de mercredi, je pourrais piocher dedans. Et voilà. Genre, voilà. Ma mère, elle vient de m'appeler. Elle m'a raccroché au nez. Elle m'appelle pour me raccrocher au nez. Voilà. Ma vie. Du coup, on va pas tarder à prendre le goûter. Je sais pas du tout quoi prendre au goûter. J'ai envie de quelque chose de salé. Donc, je verrai bien. Voilà. À tout à l'heure. Hey la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est vendredi 8 janvier. Il est actuellement 8h25. On part dans 5 minutes pour déposer monsieur à l'école. Et après, je reviens à la maison. J'ai quelques papiers à faire, quelques coups de fil à faire. Et je vais préparer un lot pour un concours. Donc, j'ai regardé ce que j'ai pour mettre dans le lot. Il y aura du make-up, des crèmes. Je vais regarder ce que je vais rajouter dedans. Ouais, je vais regarder ce que je vais rajouter. Pour midi, je sais pas trop quoi faire. En fait, j'ai envie de manger une salade avec
Regardez, il est en train de piquer des gâteaux. Tu dis bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Oh, bisous, maman. Mouah, je t'aime. Oh, tu t'essuies. Genre, moi, je te dégoûte. À tout à l'heure. Bon, on se retrouve comme convenu. Je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Action. Alors, je vais commencer avec... j'ai pris des petites étiquettes comme ça. Toutes simples. J'ai pris deux chargeurs d'iPhone parce que je suis une surconsommatrice de chargeurs d'iPhone. Me demandez pas pourquoi. Ils cassent toujours et j'en ai marre de payer des chargeurs à 30 balles chez Apple. Donc, si vous voulez me sponsoriser, avec grand plaisir. Mais sinon, j'achèterai des chargeurs à 1,50€ à Action. D'accord. Donc, j'ai pris rose et puis... je sais même pas c'est quoi ça. Bronze. C'est quoi voilà. Bref, j'ai pris ça. J'ai pris des pochettes. Parce qu'avec la création d'entreprise et la comptabilité, il faut des pochettes. Hein, parce que tu vas pas mettre comme ça. Et j'ai pris un notebook. Donc, j'ai déjà commencé à écrire dedans. À écrire dedans. Ce truc comme ça. Mes idées YouTube. Donc, je mets tout dedans. Tout dedans. Et je les catégorise. Les vidéos sur l'opération et le poids, les vidéos pour des looks, des make-up, de la beauté et divers. Parce qu'il y aura des trucs où je vais tester de la nourriture ou que je vais manger avec mon fils. Donc du coup, j'ai tout mis ici. Donc c'est une petite liste et il y en a encore à venir. Et du coup, voilà ce que j'ai acheté. Et j'ai acheté un petit radiateur, mais le petit radiateur, franchement, il est trop bien. Non, franchement, il est trop bien. Je l'ai acheté 16€, il est super bien. Mais en fait, il est dans le salon. Et j'ai un peu la flemme d'aller chercher. Donc, ne me jugez pas, d'accord. Mais sinon, là, le programme de ce matin, c'est montage de la partie de la vidéo. Ensuite, je dois faire un petit texte pour une société, donc un petit article. Ensuite, je dois... tu dois faire quoi ensuite? Attendez, j'ai un truc là. Je dois tester la machine qui est là pour faire des porte-clés. Commercialiser des porte-clés. Mais ça, faut que je le fasse à tête reposée. Faut que je regarde les designs et autres parce que c'est une machine qui coûte cher. Donc voilà. Et hier, je vous ai pas dit. Hier, j'ai commandé sur Shein. Donc les gaines pour les bras. Hein, pour tenir tout ça. Et j'ai commandé quoi sur Shein? J'ai commandé une robe pour la Saint-Valentin parce que je vais vous faire une petite vidéo sur la Saint-Valentin. Comment se pomper up pour pas cher. Donc j'ai commandé la robe sur Shein. On va voir quand on va la recevoir. Je viens d'avoir mon rendez-vous. Parce que j'ai oublié que j'avais rendez-vous. En fait, je doutais que j'avais rendez-vous. Mais j'ai pas oublié. J'ai eu mon rendez-vous avec ma diète Moriane. De chez Feeling Food. Alors c'est des diètes exceptionnelles. Mais genre, elle me demande pas de faire la pub. Elle me demande pas d'en parler. Mais c'est moi qui vais en parler. Parce que... elles m'ont tellement aidée depuis mon opération. Ceux qui ont suivi mon opération, vous savez qu'au début, ça a été très compliqué de m'alimenter. J'étais clairement abandonnée par toute l'équipe médicale. Ça a été très, très compliqué et elles m'ont tendu la main. Et depuis, je vous jure qu'à chaque fois que je sors d'un rendez-vous avec elles, j'ai le sourire. Genre, je sais pas comment elles font. Elles t'écoutent, elles te conseillent. Elles sont pas là à te dire non, mange pas ça. Non, si tu as envie de manger ça, mange-le en pleine conscience. Prends le temps de savourer ce que tu manges. Et après, reprends ton rythme normal. Et en fait, c'est ça que j'adore chez eux, c'est que elles sont trop bien. Genre vraiment. Il est l'heure du repas de midi. Donc, j'ai des rösti aux épinards. Et là, j'ai une salade. Donc, j'ai fait... tomates, oignons, surimi, concombre, un peu de fromage ail et fines herbes. Mais vraiment un peu. Et mon assiette fait 220 grammes. Et ce que je vais rajouter par-dessus, c'est un petit peu d'arôme magie dans la salade. Parce que c'est trop bon. Et voilà, bon appétit. Bon, on se retrouve. Il est actuellement 19h du soir. J'ai mangé le même repas que midi et je suis vraiment fatiguée.
Regarde ma tête et bébé est en train de taper dans mon ventre. Je l'adore. C'est trop mignon. Hello famille, on se retrouve. Donc on est le samedi 8-9 janvier. On est, je sais pas, il n'y a pas écrit sur ma voiture. On dirait que je brille alors que je vous jure, j'ai rien du tout sur la gueule. C'est le soleil qui fait ça. Là, on va déposer notre fils. Là, il y a mon mari qui est devant avec le petit à l'école coranique. Parce qu'il a école tous les samedis. Pendant qu'il y a école et quand il y a les vacances scolaires, il n'y a pas. Et on va chercher le drive et ensuite on va au Lidl compléter les courses. Donc voilà le programme. Il arrive, il me regarde trop bizarre. Il se dit mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Bon, à tout à l'heure. Bon, il est actuellement 13h30, on n'a pas encore mangé. Du coup là, le repas il est dans le four et j'ai rangé toutes les courses. Oh, je suis fatiguée. Je vais ça. Voici mon repas de midi. Donc là, j'ai un poisson pané que j'ai acheté au Lidl. Il est farci aux ail et fines herbes, je crois. La petite salade d'hier, concombre, tomate, surimi, oignon. Et j'ai pris 4 petits pommes de fine. Voilà mon repas de midi. Bon appétit. Bon, on se retrouve, il est actuellement 20h30 du soir. Je suis exténuée, genre je suis vraiment fatiguée. Ce matin on a bien, on est bien sorti, on est rentré à 13h, on a mangé vers 14h. J'ai monté la vidéo retour de course que je vous ai postée sur YouTube. Ensuite j'ai fait un post sur Instagram. Là, je suis en train de regarder une petite vidéo sur YouTube et je vais me mettre devant une série. Ce soir, j'ai mangé quelques frites avec du soujuk, la saucisse turque. Et voilà quoi. Voilà une bonne fin de soirée. Franchement, aujourd'hui, je suis contente de ce que j'ai fait. Parce que j'ai bougé un peu partout, j'ai marché. Bon, toujours faire attention par rapport à ma grossesse. Toujours faire attention par rapport à ma grossesse. Et j'ai hâte d'être à mardi pour voir si elle peut me dire le sexe quand même. Parce que je suis à 5 mois de grossesse. Je ne sais pas le sexe. Mais voilà. Voilà la famille. Bonne soirée et à demain. Bisous. Hey la famille, on se retrouve, on est dimanche. On vient de se réveiller, j'ai fait ma douche et du coup je vais vous montrer ce que je vais manger. J'ai fait des tartines avec du samouraï et des œufs que mon mari a fait. Bien gentiment. Il est derrière. Et j'ai pris un café dans ma tasse. Il m'a fait une tasse chérine avec je t'aime la plus belle. C'est trop mignon. Donc on se retrouve pour le repas de midi, de dimanche midi. J'ai une assiette de 200 grammes, donc j'ai mis des surimi. J'avais trop envie de manger des surimi. Là, j'ai fait des crêpes au fromage, donc j'en ai mis une. Et là, c'est un mélange oignon et haricots verts avec du poivre, de l'ail, de la coriandre. Et c'est tout, je crois. Ouais, c'est tout. Et voilà, donc bon appétit. Bon, on se retrouve juste après que je vous ai filmé ce que je mangeais. Je comprends pas. J'ai même pas mangé la moitié de mon assiette. J'ai envie de vomir. Ça passe pas. Ça me fait coudre au début. Ça reste bloqué entre les seins. J'ai trop envie de vomir. C'est la première fois depuis longtemps. Et j'ai pas trop mangé. Parce que d'habitude, je mange plus. Et là, ça passe pas du tout. Je sais pas. Ça passe pas du tout. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Bon, on se retrouve. Je vais clôturer le vlog maintenant. Il est 14h, je crois. Franchement, ça me fait trop plaisir d'avoir repris un rythme comme ça sur YouTube. Moi, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Comme toujours, vous êtes des amours. Et moi, je vous donne rendez-vous mercredi. Bisous la famille.